18 400 tonnes. J'y vais. Je suis prête à écouter. Ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Mais de la semaine présente pour eux. Oui, mais là on est samedi. Oui. Le vlog c'est demain. Oui. Et on mettra pas dans le vlog de demain. Non. On mettra dans le vlog après. Oui. Donc là je travaille sur Call on You. Et... Call on You. Exactement. Et je commence à avoir le bout. Il manque des voix qu'il faut que tu réenregistres. Oui. Et sinon c'est pas mal. Et à un moment il y a une phrase, mais j'ai pris un sample juste pour avoir l'idée de un peu l'intention. Tu dis si tu trouves ça très cool, si tu trouves qu'il manque des choses à des endroits, à part tes voix. Genre par exemple au début là c'est... C'est top. Et du coup, il arrive qu'une fois dans la chanson, le « It's hard to let go ». Ouais, c'est grave. Non, non, c'est pas le problème. Je me demande s'il manque pas juste un chouïa, un truc sur cette oui, partie quand il arrive. Je sais. D'accord. Bah, c'est tout, sinon. C'est tout. Non, c'est top. Ouais, c'est trop bien. Faut que je réenregistre mes voix là où il y a des Mais je crois que c'est, en fait, tout. Ce qui manque, c'est tout simplement ça. C'est parce qu'il y a un truc qui part. Ah, il y a des armeaux. Ouais. Bah, il faut les mettre plus fortes à cet endroit-là, je pense. Et c'était pas mieux quand c'était au niveau en dessous les armeaux. C'est mieux. Ouais, c'est top. Ouais. Joint silicone, check. Il y en a pour 24 heures pour sécher et puis après on attaquera les joints pierre au milieu. Et voilà, c'est beau. Anthony Kéros m'a demandé si je voulais reprendre Santiano de Hugo Frey. Je pense que la dernière fois que je l'ai chanté c'était à la chorale au collège. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'imagine que ça va être bourrin parce que je pense qu'on est sur de l'hyper techno. Donc je vais écouter ça. C'est parti. C'est parti, on va tester les choses. La caméra arrive même pas à gérer autant de soleil. Je sais même pas quand je vais me mettre pour que ce soit mieux. Je vais me mettre là en vrai. Voilà. Là, on est en train de s'occuper du live de Nito Ona du 13 avril prochain. Du coup, on a fait la setlist. Maintenant, Louis et Tony vont chacun bosser les morceaux de leur côté et vont faire des transitions pour avoir un set tout bien fluide et cohérent. Mais du coup, pour ça, il faut les instrumentaux. Du coup, on a envoyé des messages à tous les DJ des chansons concernées, donc ils vont nous envoyer ça. Et tout à l'heure, on va faire les joints pour terminer notre carrelage. J'espère que ça va bien se passer. Et sinon, pendant que Louis est parti courir, il faut que je termine les miniatures des vlogs parce que je suis vraiment à la bourre. J'ai fait la 23, il me reste la 24 et la 26. Parce que j'avais déjà fait la 25 en toute logique. Sinon, je parlais de Santiano avec Anthony Kéros. Et en fait, le morceau, il commence par du biniou et il y en a partout dans la chanson. Et je lui dis, c'est quand même dommage qu'on fasse pas appel à un vrai joueur de biniou étant donné qu'on vit en Bretagne et que dans notre entourage, il y a plein de gens qui en jouent. Donc, je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'en effet, on pouvait demander à quelqu'un. Du coup, j'ai envoyé des messages sur Facebook. Comme je m'y attendais, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été là pour nous conseiller des gens. Et du coup, j'ai trouvé un joueur. Je lui ai envoyé ce qu'il fallait jouer. Donc, il va s'en occuper cette semaine ou début de semaine prochaine. Et moi, j'ai dit à Anthony que enregistrer mes voix aujourd'hui, donc je pense que je ferai ça ce soir. C'est tout pour le moment. Et voilà le résultat. On a mis 4 heures à faire les joints. Oh la vache. Les lambins. On est lambins, mais en même temps on fait ça hyper clean, non? Oui. Regarde, c'est déjà propre, y a rien qui voilà, est passé. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Nous allons enregistrer Santiano. Ça devrait, je pense, déjà pas en termes d'apprentissage, parce que ça, je la connais déjà, en termes d'enregistrement, je pense que ça ne devrait pas prendre trop de temps. J'espère, parce qu'il est déjà 23h, mais en vrai, c'est pas quelque chose qui techniquement, normalement, me fait peur, mais après, ça m'est arrivé de me dire, vas-y, ça c'est tranquille, c'est dans ma technique et tout, et en fait, j'ai eu des surprises et ça m'a pris des plombes. Donc, on va voir. J'ai vu avec le loup, parce qu'il y a 3000 calages possibles sur ce morceau, du coup, on s'est mis d'accord sur un calage, donc je verrai que ça. Je pense déjà que je vais pas mettre la voix témoin parce que je l'ai pas calé pareil. Doudou.
C'est un peu mes trois ma fin comme un oiseau. Ici Santiano. On va essayer des choses. J'avais cru entendre parler. C'est dans son instru, bordel. Et tiens bon le vent, c'est haut. Ah oui, d'accord. Les instrus à Toc Jean Floc, on a dit non. On est parti. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau, c'est haut, Santiano. Ok, donc il va falloir vraiment du clic parce que c'est méga rapide et que j'ai tendance à vachement ralentir. Donc on va monter tout ça. 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Ok, et ben on va faire ça plein de fois. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, c'est haut. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, et c'est haut. Je vais faire les deux, je verrai. Tiens bon le vent, et c'est haut. Non. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, et c'est haut. Je suis pas sûre. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. J'ai fini d'enregistrer la lead, je vais faire un gauche-droite sur le refrain, je vais faire des petits bacs et je ferai quelques harmos, il n'y en a pas beaucoup mais du moins celles que j'entends dans sa démo, qui je pense sont importantes. Et voilà, on va pas s'amuser à mettre des adlibs sur Santiano. Et c'est parti. Dieu veut toujours droit devant Santiano, irons jusqu'à San Francisco. Et c'est au Santiano, nous irons jusqu'à San Francisco. Iseo Santiano, Iseo, Iseo Santiano. Ah, j'ai envie de faire ça, ça va être marrant. Iseo Santiano. Marrant, j'aime bien. San Francisco. J'ai envie de trouver une autre arbre, j'arrive pas à la sortir. Nous irons jusqu'à San Francisco. Ah bah t'es là. On en est où? Bah je crois que j'ai fini. Et tu filmes? Oui. T'es rigolo, peignoir. Bah écoutez. J'ai rien fait encore dessus. Hein. C'est bien. Ça va être chouette, je pense. Puis refrain. C'est bon. J'ai ajouté celle-là que je trouvais marrante. Elle faisait très bretonne, j'aimais bien. Et ça fait mal le matin. Mais c'est très dur hein, de pas partir en mode pump it up. Ouais, alors que le but c'est de pas trop l'interpréter. Ah oui. Voilà. Faut se canaliser. Ah voilà voilà. En bande organisée, personne peut nous canaliser. C'est un bon exercice d'essayer de se canaliser. Ouais, bah, c'est dur hein. J'ai les lèvres dégommées. Gute Nacht. C'est tout ça quoi. T'es bien, bébé. Je peux plus mettre mon tapis. T'es bien. Qu'est-ce que t'es contente. Tu ronronnes. Je l'aime. J'ai fini tous les édits de Santiano et je viens de me rendre compte qu'il y a une petite armo que j'ai oublié de faire. On va faire ça vite fait. Je pense pas que j'en ai pour trop long. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons. Ok, je pense que c'est bon. Sur la mer qui fait le gros dos. Nous... Ah ouais, mais non. Je peux pas garder ça parce qu'il y a des pic-pic partout dedans. Ça, c'est pas possible. On peut pas laisser des pic-pic. Quand on a la flemme, on aurait tendance à faire à la va-vite et à laisser ça, mais faut pas. Si je commence à faire ça, c'est le début de la fin. Et là, là, c'est bien. Là, on est content. Je vous ferai écouter tout à l'heure avec Louis. 18 400 tonneaux. Je mets. Oui. T'aimes bien? C'est ça que t'avais en tête pour l'interprétation? Oui, oui. Oui, tu vois, c'est son. Nous irons jusqu'à San Francisco. Voilà! Top. Et il avait une idée de label? Il n'a pas parlé de ça. Ça peut marcher, hein. Putain. Ça peut. Et t'as vu qu'on a vu un message de Emmanuel District 6? Il a dit: j'ai une autre proposition à vous faire, nous avons produit une version remise au goût du jour de ce tube des années 70 d'Éric Chardin. Tu vas rigoler, tu vas voir ce que c'est. L'été sera chaud, l'été sera chaud, c'est ma chanson.
C'est drôle. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Bah c'est bien, c'est un fameux poids mort au laissant Margot. Santiago. Oh, je suis en train de louper Top Chef. J'exporte juste les voix vite fait et puis j'arrive. Je vais exporter. Après cette petite nuit pas ouf, parce que déjà on s'est couché tard parce qu'on a regardé la série Les trucs à trois corps, je sais pas comment ça s'appelle. Le problème à trois corps, voilà. Et du coup c'est tellement prenant que là on est presque arrivé à la fin. Mais au dernier épisode je me suis dit à la moitié, bon il faut que je dorme. Mais après du coup il y avait la grosse tempête cette nuit. Chaque fois qu'il y avait des grosses rafales de vent, ça me réveillait. Donc après cette petite nuit, l'objectif aujourd'hui, on avait fait une reprise de Murder on the... C'est horrible à dire ça. Murder on the Dance Floor. Donc on avait fait une reprise de Murder on the Dance Floor. Il n'y avait plus de batterie. Donc on avait fait une reprise de Murder on the Dance Floor il y a quelques temps. On vous avait montré un petit peu des choses. Et donc là, on a décidé de mettre cette reprise sur Voxalized. Donc on avait déjà parlé un petit peu de cette plateforme qui est en fait une plateforme où on peut uploader des acapella et les producteurs et les DJ peuvent acheter les acapella et s'en servir pour pouvoir faire des chansons tout simplement. Donc on avait mis une reprise de How Deep Is Your Love et une reprise de Mr. Sandman. Et là, donc, on va mettre la reprise de Murder on the Dance Floor à disposition donc, pour les producteurs et les DJ qui veulent refaire le track. Donc, il faut qu'on envoie en fait, toutes les voix par dossier bien groupées avec les voix lead, les voix back et aussi envoyer donc, l'instru que j'avais faite avec la voix de Lorraine pour que les gens puissent avoir un preview quand ils veulent écouter ce que ça pourrait donner et ce qu'ils peuvent un petit peu faire avec cette voix. Donc, il y a ça à faire. Il y a aussi répondre à pas mal de mails puisque là, on a eu des réponses donc, des éditeurs avec qui on va normalement signer un contrat. On a eu aussi des réponses de Era Music, donc Antoine, par rapport à l'EP, donc il y a quelques petits trucs à faire et quelques petites choses à uploader par rapport à ces mails. Et voilà, déjà quand on aura fait ça, ça sera pas mal. Non, pas du tout. Louis s'est occupé d'envoyer tous les fichiers pour pouvoir mettre Murder on the Dance Floor sur Voxalized. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vidéo pour Instagram, où je vais dire aux producteurs qu'ils peuvent la télécharger. Et contrairement à d'habitude, où ils peuvent juste l'utiliser sur Instagram et TikTok, cette fois, ils pourront, s'ils l'ont acheté, l'utiliser sur les plateformes. Donc, c'est vraiment le concept de Voxalized, c'est que les gens, ils achètent. Ils n'ont pas l'exclusivité dessus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les seuls à avoir le droit de l'utiliser, mais ils peuvent le faire pour 69€ et des bananes. Donc, moi, je vais faire ma petite vidéo. Vidéo et voilà. If you think you're getting away, I will prove you wrong. But you better not kill the groove. Hey, 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 it's what I'm looking for. But you better not steal the moves. Là, on est en train de voir avec D6 pour signer un contrat d'édition. On en avait déjà parlé. Dans leur mail, ils nous ont aussi parlé d'un artiste qui recherche une top line et une chanteuse. Pendant que Lorraine faisait sa petite vidéo, j'ai cherché des petites idées. Et là, je lui ai envoyé pour qu'elle écoute et pour qu'on peaufine ça ensemble. Je me suis mis en mode année 2000. C'est top, j'ai juste un doute sur le get up. Je me demande s'il n'est pas un peu foutoir. Tu penses que c'est bizarre? J'arrive pas à savoir. Tu peux m'envoyer la petite voix? Oui. C'est bien. Je te l'envoie du coup là. Oui, je veux bien s'il te plaît. J'ai deux petites idées avec des micro-variantes. Une qui change un peu plus, mais en gardant le début et la fin. Et une où c'est vraiment des variantes de pied. Donc je vais enregistrer ça et on verra ce que ça donne. Makes me wanna try. Get up in my fear and make me yours. Get up in my fear and make me yours. Ok, la deuxième idée c'était. You think I love you, I can make you all and make me yours. I don't wanna die and all already. Make me never, make me ever yours. Ok, on va mettre un autotune de bâtard sur tout ça. On s'est mis d'accord avec Louis sur la top line. On a fait des petites bidouilles, changé des notes, changé certains rythmes. Et j'ai écrit un yaourt, donc je vais pouvoir enregistrer ça. Et on va envoyer, et si ça leur plaît, on verra. Ils ont parlé de soit français, soit anglais, donc je sais pas vraiment la direction. Mais en tout cas, si c'est français, on cherchera un texte dessus. Si c'est anglais, on demandera à quelqu'un. Makes me wanna cry. I don't wanna live this way. I don't wanna search for you. If you wanna hide, make me ever yours. I think it could be. Je suis pas convaincue. Oh non, pas convaincue. I don't wanna fight. I think you want it just to make it hard. Make it hard.
C'est marqué un module audio unique a été signalé. Je fais quoi? Je fais quitter. Et pof, crash. Enregistré. C'est bien? Le calage, c'est bon au milieu là? Pas dit non. Dernière écoute avant d'aller. J'ai mis des petites réverbes, j'ai mis un petit truc grave, j'ai mis un petit pitch juste pour donner l'idée à l'arrache et des delays pour montrer l'idée. On doit faire le tirage au sort. Tu tires 5 personnes. Vas-y, tire les 5, on va pas y arriver, sinon. Tant pis pour cette personne. T'es obligé de la tirer maintenant. Non. Allez. Voilà. La personne qui a failli ne pas être tirée au sort. C'est qui? C'est Balboa Photographie. Ah oui, en plus il était un des premiers à répondre. Le point positif avec Facebook, c'est qu'il y avait 5 participants, donc pas eu besoin de tirage au sort. C'est quand même fort. Sur Facebook, on a combien? 60 000 abonnés. On ne sait pas combien de personnes reçoivent notre publication. On peut voir d'ailleurs, je crois, dans les stats. Crois. C'est intéressant. 64 000 abonnés sur Facebook. Et il y a 1200 personnes qui ont reçu ça sur les 64 000. Sur leur fil d'actu, quoi. Ouais. Donc Insta, ça marche mieux. Même si on a beaucoup moins d'abonnés. Et les gagnants sont Balboa Photographie, B.Iline, Sebadub, Bloody RCP et Romy Photographie. Et sur Facebook, Flo Sawada, Caro Caro, Muriel Cor, Lily Kaline et Jérôme Lucas. Voilà, je vais leur envoyer ce soir, je pense. On va courir? Hasta la vista, baby. Quoi? On a été chercher nos chocolats à l'atelier numéro 5 pour demain. Et on a pris aussi une glace, mais du coup on l'a mise vite au congélateur parce qu'elle commençait à fondre. Parce qu'il fait beau pour la première fois depuis longtemps. Ça va être bon. Mais j'ai envie de les manger maintenant. Arrête. J'ai envie de les manger maintenant. T'es nul. Et c'est pas tout de suite. Hein. Non, c'est demain. Moi, je suis monsieur... Non, toi, t'es Bigouden. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis monsieur Bigouden. Oui. J'ai envie de la retourner. Débrief. Alors, débrief. J'ai fait une tarte aux pommes, une apple pie. Oui. Non, débrief de en haut. De tout. Ah, de tout quoi? Je me suis levé. Et après, j'ai travaillé sur le live de Nitoona, parce qu'on est en live le 13 avril prochain à l'Arena de Brest. Méga grosse scène. Là, on a 42 minutes de live à peu près. Il en faut une heure, donc on approche de ce qu'il faut avoir. Et sinon, demain, c'est l'anniversaire de la sœur de Lorraine. Donc j'étais en train de faire une petite tarte aux pommes pendant que Lorraine enregistrait. Tenue de soirée, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Et c'est vachement bien. Le seul truc qu'on se demandait hier, c'était comment chanter les... pour que ça rende moderne, parce que c'est quand même très marqué, très daté. Et là, ça rend bien, le fait de les lier. C'est stylé, très très bien. Ça tue. J'ai des lentilles. Tu les vois, la caméra, ou pas? Attends, faut que tu sois net. Je suis net? Ouais. Tu les vois, du coup? Attends, je zoome pour voir. Plus 1,50, plus 2,75. Mais on doit la retourner. Oui. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Elle est belle, chaud. Hein. Je suis pas serein, en vrai. Ça a l'air de se démouler bien. Ouais, c'est pas mal. Là, faut pas aller vite. Putain. C'est beau. Et par contre, ne traîne pas. Elle est en train de se casser. Et ne traîne pas, prends l'autre planche. Je te laisse l'enlever. On n'enlève pas d'un côté. Voilà. Qu'elle est belle, qu'elle est belle. Compte rendu de ta journée, bébé. Moi, j'ai dormi sur le lit. J'ai dormi sur le lit. J'ai dormi sur le lit. J'ai dormi sur le lit à droite. J'ai dormi sur le lit à gauche. J'ai dormi sur le lit au milieu. J'ai dormi en bas. J'ai dormi nord-ouest trois quarts. J'ai dormi un peu partout. Et à un moment, j'ai eu envie de faire pipi. Alors du coup, je suis sortie dehors. Et une fois que j'étais dehors, j'ai fait pipi. Et je me suis rendu compte que j'avais encore envie de dormir. Donc je suis partie dormir sur le lit, mais cette fois-ci en bas à droite, mais pas vraiment tout en bas. Et je...